Comme prévu, le premier tour de l'US Open n'a pas fait de cadeau, ni aux Françaises, ni aux autres. Le test proposé par le parcours de Pinehurst est terrible, la chaleur est au rendez-vous, et rares sont les joueuses à être épargnées. 5 golfeuses ont terminé le premier tour sous le par simplement. La plus rompue à ce type de joute chez les tricolores est sans conteste Karin Ishe. À 35 ans, la numéro 30 mondiale prend part à son 10e US Open. L'an dernier, la Française a terminé 20e du deuxième majeur de la saison. Cette année, une première carte de 76 la rejette provisoirement à la 77e place jeudi soir. J'ai pas bien putté, donc c'est ça que je peux me reprocher. Une journée sans birdie, c'est long. Demain, tout est possible. On sait qu'avec une carte dans le par, ici, on revient très vite dans la bonne moitié du classement. C'est possible pour toi? Ouais, je joue bien. Donc, c'est sûr que demain, il y a encore des choses à faire. Faut pas baisser les bras. Et puis, demain est un autre jour. Et puis, on verra bien. Hein. Des birdies, Mathilda Capellier en a signé 5 lors du premier tour, comme ici, sur le trou numéro 15. Combative, la joueuse amateur a rendu une carte de 76 qui lui laisse espérer de franchir le cut de son premier tournoi majeur. J'ai galéré, j'ai fait toujours des up and down toute la partie quoi. Mais je suis contente, je me suis vachement accrochée, je termine par 2 birdies pour sauver mon score, on va dire ma carte. Il faut juste que je fasse vraiment attention à chaque mise en jeu parce que c'est crucial sur ce parcours. C'est le grand jeu qu'il faut améliorer je pense. Mais je pense que c'est jouable. L'autre joueuse amateur française Céline Boutier a également souffert sur ses mises en jeu. Elle doit se contenter d'une carte de 77, mais garde le moral. Oui, c'était une journée plutôt difficile. J'ai eu un peu de mal à sortir des roughs, donc c'était un peu compliqué après pour atteindre le green et sauver les parts. Donc ça m'a coûté, je crois que j'ai fait 4 ou 5 bogeys et 2 doubles, donc c'était un peu difficile, mais je suis assez contente de mon comportement et de la façon dont j'ai réagi à mes bogeys, quoi. Enfin, partie parmi les dernières, Gladys Nocera n'a pas eu le temps de boucler son premier tour. Un premier tour qui avait bien commencé, puisqu'après 5 trous, l'ex numéro 1 européenne est sous le par, aux côtés des meilleurs. Malheureusement, la deuxième moitié de parcours est sans pitié pour Nocera, qui enregistre un double bogey, deux bogeys et un quadruple juste avant l'interruption du jeu.